Je m'appelle Luis Costa, j'ai 43 ans, je suis célibataire et je vais très bien. Ce qui n'est plus exactement la vie de ma mère et de mes 5 sœurs. Marie, mon linge, repassé, tu l'as mis où? J'ai envie de te répondre dans ton cul. Je suis pas ta femme. Nous ne sommes pas ta femme. Le mariage de Luis, priorité de l'année. T'es pour? Ben. Quoi? Adopté. Secouris. Elles avaient décidé de me présenter toutes leurs copines. J'ai 33 ans, je m'appelle Solange, enfin bon. Excel, Word, tout le pack. Quand je dis toutes, c'est toutes. Waouh. Même un pack, ça aurait fait l'affaire. Tu peux pas juste leur dire, je ne veux pas me marier. C'est vrai que ça aurait été plus simple. Oh. Elle a trouvé du boulot, ta sœur? Oh non, on n'en parle pas, elle galère. J'ai eu une bien meilleure idée. Oh bah non. Vous êtes vraiment complètement tordus. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 euros la semaine. 15 000 euros la semaine pour 10 rendez-vous avec ma famille. Moi, jamais de la vie, je paye ça. Coucou. J'en ai donc engagé une parfaite pour ma mère et mes sœurs. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Il est 21h05, il y a une heure sûre. Quoi? On a pas du tout son temps, hein? En détente pour des futurs mariés. Le problème... C'est quoi, ça? Je m'installe chez vous. C'est que j'ai peut-être pas embauché la bonne. Histoire, les amoureux, ok? Moi, je vais sortir qu'un. Emma a quelque chose à vous annoncer. T'es enceinte? Ah non, avoir un alien dans le ventre, les seins qui pètent, la gerbe, tout ça, non. Je ne peux pas bosser dans un environnement olfactif hostile. Oh, ça va, la chouchotte, je lui fusille le nez. À propos, t'es mon témoin. Ça me touche beaucoup d'être ton témoin. Yarif, c'est un faux mariage. Okay. Bon, et sinon, Geneviève, question héritage, qu'est-ce qui est prévu? Oui, très très détendu.